très rare. Ça me semble bizarre. C'est tentant, mais non. Je me serais peut-être laissé convaincre quand ce n'est une lignée. Tenez, prenez ça. Parlez-moi de vos rêves. Je me souviens de Tira comme si c'était hier. Vous lui ressemblez beaucoup. J'accepte votre offrande. Bonjour, héros. Faites de beaux rêves. Avez-vous mangé? Puisse votre... Moi, la Kanam Matra s'arreste. J'accepte ce présent et j'honore, ce faisant, le serment de notre ancêtre la plus sacrée. Les centaures d'Onara voleront au secours du vol draconique vert si le besoin s'en fait sentir. Et moi, Méritra, fille d'Izera, j'accepte ce présent et j'honore ce faisant mon serment envers votre ancêtre Tira. Ensemble, dragons et centaures protégeront les plaines d'Onara. Si le rêve est à nouveau menacé, sachez que les Marouk se battront à vos côtés. Le lien qui nous unissait par le passé est à présent renouvelé. Que cette pierre de vœux soit le symbole de notre pacte. Je jure de protéger le rêve d'Émeraude et le vol draconique vert au péril de ma vie. En fait, c'est pas une apparence d'elfe de la nuit qu'elle a, c'est une apparence d'elfe sombre nuit. C'est une des filles de Ysara. Ysara, souvenez-vous, c'est le dragon, mais aussi la divinité des sombres lunes. Que puis-je pour vous? Oh. Faut vraiment que je fasse le tour de. Reposez-vous bien. Nous avons accompli notre mission, bien que je doive rester ici pour surveiller la pierre de vœux et guider le vol draconique vert. Sachez que vous quittez ces lieux avec notre gratitude et notre confiance. On m'a fait savoir que Kirin Tor avait besoin d'aide pour reprendre la pierre de vœux d'Azur. En acceptant de lui porter secours, nous nous rapprochons d'un peu plus de notre but, guérir Azeroth, Pakina et Masso, le sage de Kantor, pourront vous dire davantage. Allez donc les trouver. Bon voyage et bon rêve, amis des yeux normands. Est-ce déjà l'heure? Ouais, c'est déjà l'heure. Bien. Bien, bien, bien. Bon, bah, c'était le Vert Emeraude. Cette suite de quêtes, je l'ai trouvée assez nulle, je vous avouerai, niveau scénario. Parce que franchement, voilà quoi, tu butes les leaders, c'est réglé quoi. Enfin bon. C'est tout, qu'est-ce que vous voulez? Wow! Ah ouais. Alors, je suggère, c'est qu'on s'arrête là. Hop. Voilà. On prendra le fly.
Ok. Et on doit aller là. Ah! J'ai pas de fly plus proche que ça. Ah. Du coup, ça vaut peut-être pas le coup. Est-ce que par contre, ça vaudrait le coup de partir de plus haut? Possible. Voilà, genre là. Ah ouais, mais non, je dois traverser la montagne. Je vois même pas la distance du coup. C'est tellement loin que je vois pas la distance. J'ai juste marché le temps de... Ouais, je voudrais quand même rester en hauteur. S'il est possible de... De garder le plus de hauteur possible. Là-bas, il y a l'air d'y avoir une crête de laquelle je peux me jeter. Oh! Alors ça, je veux. Mince, j'ai raté les tâches. Ok. On va régénérer un peu ici. Parce que c'est bien, on a récupéré un symbole. Et on va essayer du coup de... De voler jusque là-bas. Est-ce que... on va essayer d'aller prendre le fly qui est là. Juste être sûr d'avoir suffisamment d'orbes, donc on va juste patienter ici quelques minutes. Bah en fait le temps qu'on patiente, non, pas celui-là. Salutations, cher monsieur ou madame. Ah oui, faut d'abord qu'on fasse le tour de. Pour des objets exotiques, apportez-les-moi. Du coup, ça c'est mieux. Les as, les as. De l'air agité, ça peut se vendre. Je sais pas, le problème c'est que je sais pas si... Ouf! 302! Ah ouais! Oh, celui-là, on va le garder longtemps, je crois. Ok, et il y a la monture qui est là. Et après, c'est périmé, hein. Ouais. Ce n'est plus d'actualité. Après... Ok. Hop. Avez-vous des antiquités à céder? Je collectionne des objets de plus de Ah, deux non, siècles. attends. Hop, il y a ça à vendre avant. Déjà, partez. J'en avais fini avec vous, de toute Donc façon. ça. Le reste, en vrai. Ça, oui. Ça, je peux en vendre une.
vendre la 4 pièces d'or presque. Ouais, on va vendre la 4 pièces d'or. Ça on peut vendre. Ça on peut en vendre une. Et... Putain, ça vaut que dalle ça. Ça on garde. Touffe de laine primordiale, c'est pour les... Je sais pas si c'est pour les... Ça sent combien? Trop peu l'unité. Ouais. Œuf de basilic. Ça c'est pour les... Wouf, ça coûte cher. Ok. On a des granules élémentaires et de la peau exceptionnelle. Ouais. Si vous trouvez des objets exotiques, apportez-les-moi. Aussi charmant et avenant que moi dans tout le ciel. Allez, on est bon. C'est ce que je voulais. C'est derrière la montagne. Non? Peut-être pas. Non, c'est bon. Ok. Ok. Et on a encore 1000 mètres à faire. Eh ben, quel périple! En vrai, j'ai assez. Croyez que quelqu'un ici pourra nous aider dans notre mission à la travée d'Azur? On va bien finir par trouver. Ce ne sont sûrement pas les âmes aventurières qui manquent par ici. On parle de moi? Je peux vous aider? Je ne bougerai pas d'ici. Ok, alors, salutations des Gillenormand. Pakina et moi sommes ici en mission pour Kirin Tor. Nous cherchons à contenir la magie arcanique brute qui s'est répandue un peu partout dans la travée d'Azur. Kalégos, l'aspect du vol draconique bleu qui nous dirige, aurait également besoin de retrouver la pierre de vœux d'Azur. Si vous souhaitez nous prêter main forte, suivez cette route jusqu'à ce que vous tombiez sur Giania des Dignes. Elle vous donnera vos instructions. Ok. Fuglania vous indiquera où trouver les opérations du Kirin Tor dans la travée d'Azur. Dites-lui bien que vous venez de la part de Massu. Combien de braves nous manque-t-il encore?
Je suis désolée, mais je ne sais pas comment pêcher. Cela peut-il attendre? Bah, puisque vous tenez tant à inspecter les poissons en quête de votre essence, vous n'avez qu'à m'aider à en attraper. Non, mais elle a raison, hein. La pêche, c'est chiant. Hein. Alors, petite anecdote, puisqu'on parle de pêche. J'ai essayé un jeu sur Steam, qui est gratuit, hein, qui s'appelle Fishing Planet. J'ai voulu tourner des vidéos dessus, mais on se fait chier. En fait, c'est le jeu qui serait bien à faire en stream, en mode just talking. Vous savez, juste voilà, pour discuter avec sa communauté, trucs comme ça, et puis en même temps on pêche, voire même la communauté vient pêcher avec le streamer. Mais hormis ça, le jeu à voir n'est pas du tout adapté à être diffusé sur YouTube. C'est trop lent, c'est trop, il se passe rien. Voilà. Mais Fishing Planet, si par contre vous êtes passionné de pêche, le jeu est très bien. Je l'ai même recommandé à Zari parce qu'il me dit qu'il cherchait un jeu dans le genre. Enfin voilà quoi. Donc le Kirin Tor s'est installé au sud d'ici, dans le camp d'Antonidas, Noriko et Khadgar. Ah, Khadgar, tiens. Il recrute en ce moment même des aventuriers et aventurières pour aider Kalegos. Mais ça me parle, Kalegos. À retrouver la pierre de Vœu d'Azur. Si vous souhaitez nous aider, présentez-vous à eux. Allez voir Noriko à Mnésique au camp. L'Amnésique, ok, d'accord. Au camp de Tononidas. Ok, d'accord. Bah, super. Bon, bah, bonne pêche, hein. C'est loin, 600 mètres. Allez, let's go. Finalement, je m'y fais au vol draconique. C'est pas aussi libre que le vol normal, quoi. Mais la patrouille du bouclier de Ronin n'a toujours pas donné signe de vie. Comment allez-vous? Gardez l'œil et l'esprit grands ouverts. Ok. La grâce des aspects vous y... Bon, voilà. Salutations, Elfe de Sang. Je m'appelle Altarus. J'aurais aimé vous rencontrer en de meilleures circonstances, moins chaotiques. Nous étions en train d'aider le Kirin Tor à étudier l'histoire de cet endroit quand les primalistes ont attaqué. Plusieurs ouvrages ont été abandonnés sur place à la merci de leur déprédation. De grâce, vous devez à tout prix les récupérer. S'ils sont détruits, le passé de cette contrée sera irrémédiablement perdu. Trouvez 4 tomes anciens disséminés dans le camp. Ok. Pour les draconiens. Nous nous reverrons bientôt. Les primalistes... Attendez, excusez-moi, je vais juste un truc. Ouais, c'est bon. Les primalistes pourchassent le Kirin Tor depuis notre arrivée dans la travée d'Azur, tant nos adversaires abordent la pratique de la magie des arcanes. Je vais contacter Allegos aux archives d'Azur pour lui demander de revenir. En attendant, nous allons devoir les retenir. L'une de nos principales défenses arcaniques a été détruite au cours de l'assaut initial. Rapportez-moi les morceaux, je pourrai les rassembler. Rapportez 3 morceaux de pétoire des arcanes. Okay. Prudence, ces terres sont saturées de magie.
Attendez, je vois rien, je vais zoomer un peu parce que. Ça a l'air d'être là-dedans, non? Ok, j'ai un bouquin. Ah d'accord. Mais... Il y a un truc en fait, non? Parce que j'ai récupéré... Tiens. Mes articles sont de la meilleure qualité. Ouais, soit. Non, mais c'est bon en fait, j'ai pas besoin. C'est quelle quête là que j'ai sélectionné? Dispositif des arcanes brisées. C'est pas ça? Non? Ah! C'est pas ce truc là? Si, c'est ce truc là. Ok. Bon, ça va, on est plutôt. Wow! Servons à nouveau. Le Kirin Tor vous souhaite la bienvenue. Si vous repérez quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire, prévenez-moi. Prudence, le courroux du Kirin Tor. Ces terres sont saturées de magie. J'ai fini d'assembler les morceaux de l'appareil que vous avez récupéré. Placez-le près de Khadgar et servez-vous-en pour repousser les primalistes. Il faut juste qu'on tienne le temps. Que les gosses reviennent. Utiliser un. Hein, mais il est où Khadgar? S'il vous faut juste les retenir un peu plus longtemps, car les gosses ne devraient plus tarder. Ok. Mais oui, il est là. Bah alors. Je vous protégerai aussi longtemps que possible. Abattez ces drakes. Ah, je vais le toucher là! Monsieur l'arbitre! Non, je vise trop. Et je visais trop.
Mais j'arrive pas à l'avoir. C'est bon. Allez, il en reste qu'un. Oh putain, quand même. Voilà d'autres pris la liste. Ah bah let's go. Repliez-vous. Nous allons établir des positions défensives. Le Kirin Tor aura raison de ces monstres. Ah merde, j'ai pas vu mais. Je dois regagner les archives. Envoyez-moi des renforts dès que possible. La quête de la pierre de Vœux d'Azur s'annonce compliquée. Qu'est-ce que... Bah, je sais pas, je... Je vous protégerai aussi longtemps que possible. Abattez ces drakes. Je dois recommencer ? Ah, j'aurais peut-être pas dû quitter aussi vite. Excusez-moi. Oh, bordel, il va falloir que je recommence. Donc. Ah, c'est pas possible, ça. Hop, allez. Hop, allez, vas-y, tire mon goût. Allez. Attends que j'ai plus ou moins compris comment les toucher. Il y a toujours lui là-bas qui est super chiant parce qu'il est... C'est bon. Il y a lui aussi là. Ça va, il y a Pierre. Ok. Allez, il en reste 3. Bon travail. Mais attention, voilà d'autres prénalistes. Repliez-vous. Nous allons établir des positions défensives. Le Kirin Tor aura raison de ces monstres. Je dois regagner les archives. Envoyez-moi des renforts dès que possible. La quête de la pierre de Vœux d'Azur s'annonce compliquée. Pour ma part, je dois repousser les primalistes à l'est. Ce sera donc à vous d'aller aider Kaleggos. Donc j'étais bien sorti trop tôt. Désolé. Du coup... Ouais. Ces terres regorgent de curiosité. Gardez l'œil et l'esprit grands ouverts. Ouf. Ah ouais. La magie qui règne ici est plus ancienne que l'humanité elle-même. C'est incroyable. Je crois que les primalistes de l'Est ne représentent une menace que nous ne pourrons ignorer. Il faut que vous vous rendiez aux archives d'Azur à ma place afin d'aider Aleggos à récupérer la pierre de Vœux d'Azur. Vous aurez besoin de matériel, adressez-vous à notre intendante des portails. Elle vous remettra quelque chose qui vous aidera dans votre mission. Bonne chance, MDG. Normalement, bon, ça, on a vu où c'était. Ne vous inquiétez pas, nous allons nous charger des primalistes qui restent à l'est. Je compte sur vous pour aider Kaleggos. Il me semblait qu'il y avait une deuxième quête, mais c'est pas grave. Heureusement, il nous reste encore un kit de secours à utiliser en l'absence de Khadgar. Et voilà. N'hésitez pas à revenir s'il vous faut autre chose. Ouais, attends une seconde, c'était quoi le deuxième choix? I'm ready to deliver mail. Un truc qui est pas codé. Ok. Attendez. Hop. Quelle heure il est? Oh, ça va. Ça va. On a largement le temps.
vous avez trouvé des ouvrages consacrés à la pierre de Vœux d'Azur? Aucun. J'ai peur que nous ayons vu juste. Le problème vient des lignes telluriques. Je suis heureux de vous revoir. Revenez vite. Ensemble, tout devient possible. Oh, le Sarkozyste. Je suis désolé. Si j'y pense, je mettrais une affiche de Sarkozy. Ensemble, tout est possible. Mais... Oh, j'en peux plus de moi. Mais oui, Caligos, mais oui, lui, ça y est, ça me revient, ça marche. D'accord, donc c'est lui, en fait, le responsable du vol d'Azur. D'accord, ok, très bien. Ok, non, bah, pas de soucis. Eh, une minute, attendez, je regarde un truc, là. 4, 5, 6, 7, 8. Il me faut quoi? Il me faut... donc j'ai le 4. Ah non, il me manque As 2 et 3. Mais... Eh, les gars, franchement. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen? Parce que je n'ai jamais, jamais rempli un jeu de cartes complet. S'il y a moyen, je le fais. Non, pas cette monture-là, l'autre monture. Celle-là. Avez-vous des antiquités à céder? Je collectionne des objets de plus de 2 siècles. C'est dans quoi? C'est dans artisanat. Artisanat, fourniture d'artisanat. Ok. C'est peut-être dans autre. Non, c'est pas dans autre. Alors, je vais juste rester dans. Non, fourniture d'artisanat. Voilà. Je vais taper As d'air. Malheureusement, non. Alors, avec un A majuscule, peut-être. Non. Alors, attendez. Je vais peut-être essayer... Non. Si j'essaye le 2 d'air. Non. Il me manque le 3 d'air. Non, le 3, pas toi. Le 3 d'air. Bon. Et si je tente juste 3. Je l'ai mis en vente? Mais je suis un connard! Je mets As espace. Donc, ok. Si je mets 2. Le 2 d'air, je l'ai. Donc il me manque juste l'as d'air et j'ai toute la collection d'air. C'est
C'est ça, donc j'ai le 2, j'ai le 3. Donc là, j'ai le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Et franchement, ça fait chier, hein. Bon, on va peut-être tomber dessus plus tard, hein. On verra bien. De toute façon, j'ai pas de... je vois pas mal de monde. Est-ce qu'il y aurait parmi vous... Non. Je vais dire un tailleur. Partout, la magie opère. Utilisez le pylône de cristal pour atteindre les archives d'Azur. Ok, allez. Rendez-vous là-haut. La quête de la pierre de vœux d'Azur progresse. Je suis en bonne voie. Faut que j'utilise ça ou... Non, faut que je monte. Faut que je monte. Non, faut pas que je monte. Je crois que c'est ça qu'il faut utiliser, non ? Ouais, c'est ça. Bienvenue aux archives d'Azur. Prenez garde. Nul n'a pénétré en ces lieux depuis des milliers d'années. On est au courant. C'est beau. On dirait un enfant. En quoi puis-je vous aider? Voler de vos propres ailes. Il fut un temps où les dragons bleus se retrouvaient aux archives d'Azur pour discuter de magie. Je me retrouve aujourd'hui livré à moi-même. Cet édifice régissait autrefois les immenses lignes telluriques qui sillonnaient la région, mais ses gardiens et lui-même sont désormais hors de contrôle. Je pense néanmoins qu'en rétablissant l'ordre, je pourrais reprendre possession de la pierre de vœux d'Azur. Les divers assemblages et éléments sont saturés d'une énergie arcanique instable qu'il va nous falloir rediriger. Détruisez-les et récupérez-en un maximum. Récupérer 3 énergies arcaniques. On récupère un bijou qui vaut pas le coup. Faites attention à vous. Je suis avec vous. Nous ne pourrons pas activer la pierre de vœux des archives d'Azur avant d'avoir stabilisé l'énergie tellurique qui se déchaîne en ces lieux. Sur 3 runes draconiques censées la contrôler, 2 sont hors service en raison d'un trop-plein d'arcana instable. Je suis navré de vous solliciter, mais Akadar... Mais Khadgar a bien trop de responsabilités et mes frères se sont apparemment volatilisés. Et moi, je pue de la gueule. Il devrait y avoir un sceptre tellurique dans le sac des marchandises utiles que vous avez récupéré. Utilisez-le pour aider à réhabiliter les runes. Bah voyons. Bonne chance.
D'accord, ok. La bonne blague. On se marre! C'est la grosse poilade, je vois. Bon, qu'est-ce que je dois faire ici? Quoi, c'est ce truc là? C'est trop tellurique. Qui êtes-vous? C'est le chat. Les affixes, cherchez en haut des archives. Oui, c'est ça. Bon, un autre jour, hein. Multiplie les bâtards. Je me suis trompé de... sort. J'ai pas compris ce qui s'est passé avec mon marcheur. Je veux ma part. Merci. Je dois m'approcher. Il y avait un bug, hein. Vous l'avez vu comme moi. Il m'a fait peur. Vous l'avez certainement entendu vibrer, mon téléphone qui a vibré, ça m'a... Il a mis un coup de pression. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ah d'accord, puis ça se... Ok, tout ça pour rien en plus. Allez, la plus de deux. Yes. Non, non. Il me faut 40, j'en ai 33. Oh la rage. On manque un. Allez. Oui. Putain, allez, je jure. Je suis content que vous soyez là. Tout ira bien. Bien le bonjour. Niveau 65. Bonne chance. Quelque chose semble puiser dans les énergies arcaniques au sommet de la tour. Maintenant que vous avez réussi à stabiliser les énergies en bas, vous devez pouvoir emprunter les flux énergétiques et d'énergie arcanique des environs. Saisissez-vous de la pierre de guet arcanique qui se trouve dans le sac de marchandises utiles, puis servez-vous-en pour me rejoindre au sommet. Fouillez le sac, ok, allez, hop. Attendez, déjà il y a ça à récupérer. Ensuite j'utilise ça. Et faut aussi que je regarde à mes points. Du coup aussi. Mais il va me falloir faire une pause. Ok. Les merveilles que recèle ce monde sont infinies. Alors. En
ensemble. Je vais juste me mettre là pour histoire d'être sûr d'être à l'abri. Je vous reprends dans un instant. Bien, nous reprenons. Le temps de mon absence, on s'est pas fait agresser. Plateforme à géométrie variable. Ciel clair et ça me rappelle une blague, ça. La fameuse coiffure à géométrie variable. Sauf erreur de ma part, la dernière perturbation arcanique vient de là-haut. Pendant que je me chargerai de canaliser les énergies telluriques, servez-vous de l'arcana récolté pour dissiper les perturbations. Dissiper trois énergies arcaniques instables au sommet des archives d'Azur. Oui, c'est une référence à... Faites attention à vous. Au sketch de comment de Alexandre Astier sur la mécanique quantique, si vous l'avez jamais vu, il est excellent ce sketch. Tracasserie arcanique. Voler de vos propres ailes. De nombreux Wyrm de mana viennent se nourrir de la magie. Putain, j'ai le sketch qui me revient en tête du coup, excusez-moi. j'arrive pas à me marrer. Et la magie des arcanes qui s'échappe des archives. La vitesse à laquelle il l'absorbe est en train de déséquilibrer les lignes telluriques. Elle nous empêche de récupérer la pierre de vœux d'azur. Je vais utiliser l'arcana instable que vous avez ramassé pour façonner une sorte de crochet. Servez-vous-en pour éliminer plusieurs de ces wyrms pendant le temps que je m'occupe d'ajuster les énergies plus bas. Ciel clair et vent fort. Et j'ai pas vu, mais on avait un chapon à gagner. Du coup... Maligos, tu es revenu. Vous entendez cette voix, vous aussi. Elle appelle Maligos, le précédent aspect draconique bleu.